Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Shadow 2009 sur Golden Axe, premier du nom. Nous aventurons sur des terres inconnues pour certains, pour moi très connues, hein, parce que je l'ai fait dans tous les sens, sauf le boss de fin. Peut-être que cette fois il y aura un changement, qui sait? Et donc, ce petit let's play qui ne devra pas durer longtemps, moins je l'espère, sera fait en coop avec une personne que vous connaissez, que vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu, et peut-être même vous êtes déjà abonné à sa chaîne YouTube, car oui, c'est un petit YouTuber, tout comme moi. Je vais vous le laisser se présenter. C'est le seul, l'unique, le magnifique, l'implacable Banadon. Que de compliments, mon Shadow. Merci à toi et merci à tous de suivre cette vidéo dans laquelle on va essayer de vous montrer Golden Axe, premier du nom, dans son intégralité. Alors, je compte beaucoup sur toi, Shadow, parce que autant comme les Street of Rage, je les manie plutôt bien, hein, sauf le 3 qui, bon, qui est plutôt compliqué. Mais les Golden Axe, c'est toi l'expert dans ce domaine. Et tu m'as proposé de faire la trilogie des Golden Axe en commençant par le 1. Évidemment, j'ai accepté de suite. Et donc, ben, je m'en remets à toi. J'espère que tes talents vont une fois de plus, se voir. C'est J'espère toi la aussi. trilogie déjà? Non, mais bientôt. Alors, je voudrais juste revoir son nom parce que. Putain, comment il fait Putain. il faut la roulade lui? Ah, on est d'accord, je n'avais jamais vu ce geste. Donc, il s'appelle comment le vieux? Gilius. Gilius. Bah écoute, moi je vais prendre le dwarf, donc le nain Gilius. Ça va, ouais. Donc bah, je te laisse appuyer sur le bouton start, mon ami. Allez, Je check les les options, options. ouais. Voilà. Oh, les enfoirés, ils avaient baissé là. Ouais. Arcade. Donc moi je prends Gilius. C'est dommage que je puisse pas le prendre moi aussi, hein. Ça aurait fait Bah une tu veux bataille de l'essayer nains. toi? Non, mais vas-y, prends-le, hein. Je préfère que tu prennes le perso que tu gères Bah mieux. oui, parce que sinon moi Voilà. j'aurais pris Tyris, tu vois, donc ouais, justement je t'aurais proposé de prendre Tyris, tu vois. Non. Je vais mettre le plus de chance de notre côté, au moins qu'il n'y a pas d'excuses. Bah, parce que je Alors. dis ça parce qu'en fait celle qui a la réserve de mana la plus élevée. Et voilà, t'as déjà Bon, fait une carré, connerie. c'est le pouvoir, hein. Ok, donc X, ok, le coup. J'ai l'impression que c'est plus Ok. fluide ici. Allez, c'est parti. Bref, on verra bien. Alors, Golden Axe, c'est vrai que j'en ai. J'ai jamais fini celui-là. Putain, d'entrée, ils te prennent un chou. Et de mémoire, il faut aller doucement, hein, pour éviter Oui. de se faire surcharger par les D'ennemis ennemis. et de. J'aime beaucoup les sprites des ennemis. En même temps, je les ai vus pendant des années, donc Ah bah ouais, je me forcément, suis si c'est un habitué. jeu. Alors direct, on nous met de nouveaux sprites, hein. Enfin de nouveaux sprites, un nouveau swap color. Ouais, bon, après. Tous les jeux utilisaient cette méthode, hein. D'ailleurs, c'était une méthode très intelligente, hein. Ils changent la Attends, couleur attends. et Ici, je tu crois sais qu'il que l'ennemi est y a meilleur. une bestiole ici. Ouais, c'est lui. Ok. Prends-le. Voilà. Ouais, mais je me méfie que tu mettes pas un coup de hache dans la tête. La première bestiole, j'en étais sûr. Parce que sachez, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, le plus grand danger quand on fait une coop avec le Shadow, c'est le Shadow lui-même, quel que soit le jeu. Je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais je l'aime beaucoup. Vas-y, tape-le, tape-le. Mais T'as bon. vu ton épée, ce qu'elle a fait? Elle s'est courbée. Non, je fais peut-être, hein, j'ai pas fait gaffe. J'étais en mode. Itcher. C'est bon. Voilà. Il me semble que la bestiole, on la garde pas, hein, pendant la nuit. Non. Enfin, c'est toi le connaisseur, hein, mais je crois pas. Mais je crois pas, non. Oula, pour les boss. Qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas fini les mobs.
Moi j'attire tout le monde. Toi, tu l'es fini. On va me gonfler sur son lézard, mais... Allez, ben, au niveau 2. Ah non, la tortue. Non, la vierge, la tortue pour le château, que je suis con. Bon, alors, attends. Niveau 2, là, attends. Laisse-moi t'avancer. Hein. Ouais. Non, obligé. Alors, reste. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je me suis manqué. Le pouvoir que tu récupères, tu le perds. Bon, et du coup, ça a décalé mon. Ah oui, t'as utilisé une fiole, mais c'est. Une fiole qui te manquera pour après. Bon, attends. Ah, le mec il arrive. Alors moi je peux exploiter le bug ici. Enfin le bug. Le glitch. Le glitch. C'est pas beau le mot bug, c'est vraiment pour déclarer des trucs que... Ouais. Attends, là il y en a un qui vient derrière, hein, je te rappelle. Ah. Donc moi je prends celui de devant, toi tu prends celui de derrière. Bah tu protèges mes fesses quoi. Ouais, il arrive. Avance. Stop. Bon, ça a pas du tout marché. Pas comme je voulais. Pourquoi tu t'es pas retourné, Gilius? Oh, il se fait les deux. Il se mangeait par eux. Jark, tu sautes dans tous les sens, mais tu en touches pas. J'ai détruit tous les deux, je te ferai dire. Ils avaient une de vie tous les deux. Ah oui, tu vas te faire souffler. Eh ouais, tu t'es fait souffler. Ouais, reste à loin de moi parce qu'avec le dragon, je suis pas sûr de ce que je fais. Pour ça, il faut toujours être loin de toi. Elle a crié ? C'est trop dangereux. Ouais, elle a crié. Tu me laisses devant pour le voleur ? Ah, il y a l'autre. Oh, ouais, l'autre est sage, laisse-le. Ouais, je te faisais confiance pour la meuf, hein. Bah, tu aurais dû le laisser, il était coincé, lui. Bon, le voleur arrive normalement. Si je me trompe pas. Merde. On descend pas. Donc on va bouillir un peu à voir. Putain. Si j'ai pas cramé toutes ces cartouches, je ne sais pas. Hein. Donc ici, le boss est en deux phases. Il y a elle et les roses. Ok. Ok, lui il est mort. Oh, c'est saloperie. Tu me rends mon dragon déjà ? Salope. Non, mais elle me pique mon dragon. Ok. Là, il y a les deuxièmes qui vont arriver. J'ai peut-être lancé trop tôt. Ouais, bah... Non, ça va, tout le monde a été touché. On a été touché, mais le dragon, on peut pas récupérer. Attends, ah ouais, c'est ça qui est... C'est ce que... Ah, on est tué, non. Bon, bah, je me suis fait encercler. Quoi? Bah, tu utilises ta magie, toi aussi. Bah, ils ont plus de vie. J'étais à ça de te faire des dégâts. Bon, ce sera pas les premiers, ce sera pas les derniers. Hein. Je te connais. Vas-y, viens vite te chercher. Pardon. Ouais, tu m'as juste ouvert la jambe. Allez, niveau 3. La tortue géante. La tortue. Allez. Bon. Alors ici, je crois que ça va être derrière aussi. D'abord, on va faire venir nos chers copains.
Voilà. J'arrive. Oh putain. Merde, ouais. J'ai cassé le dragon. Putain de salope. Oh la pute. Oh là 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 là. Ah là ça va être le drame. Ah là c'est le saut, ça va être le drame. Le vas-y. Ouais, vas-y. J'ai le saut de 6 mètres en hauteur pour arriver à 200 km en droite. Je vais te bouffer. Ouais, moi je suis full. Ouais. Le saut. Oh! Eh, full magie. Et Et t'es arrivé en vie. Ouais, surtout. Merde, je l'ai activé. Pourquoi je sens que. Recule. À côté de tes pieds. Bon alors là attention. Tu peux avancer. Il y a une grande porte juste là. Tu n'avances pas. Okay. Tant que je te le dis pas. Parce que ça si t'avances. Voilà. T'avances trop vite. Il y a le premier mec qui sort. N'avance pas parce qu'il y a le deuxième mec qui pourrait sortir. Saute. Saute et tape. Oh la voilà deux. Bon, il marche jamais. Ouais. Là tu peux avancer. La deuxième qui va sortir, fais gaffe. Chez Deb. Chez Deb. Bah, allô. Je sais pas pourquoi j'ai descendu. Bon bah... Si on peut... T'as une de ces allonges, t'as vu ça? Tu vois pas. Bon bah... Donc... Oh putain mais non. Ça sert à rien. On est fou de magie. Essaye de pas les prendre. Mais... Ouais, c'était sur le chemin, frère. Bah, ouais, de toute façon, c'est on boss, pas sur... Non. C'est le chevalier d'or et derrière la porte, il y a le chevalier d'argent. Bon, bah, allez. Bon, attends. Hop, déjà. J'y vais. Bon, laisse-le moi, le chevalier d'argent. C'est chaud. Bah, surtout que ça nous fait gagner de la vie. Et du... Enfin, je vais pas dire du temps parce que ça nous en fait perdre, mais je sauve au moins un peu de vie. Bon, y a peu de vie. Problème. Bah ouais, puis je crois qu'on a 6 crédits. Non, 6, ça me paraît beaucoup. Bah j'ai vu 6 moi. J'ai vu 6 crédits. Oh, au début. Bon. Restons concentrés. Il est mort. Il me faudrait de la bouffe. Faut avoir un truc de bouffe, de prendre l'eau, c'est pareil. Ah t'as pris toute la mana toi. Ouais. Il y en avait que deux. Oh. Alors on a quoi là? Le cheval en l'air là, non? Ah le l'aigle. Attends. Ils viennent d'en haut ou d'en bas? Des deux. Je sais pas. En tout cas ils viennent. Il m'a fait monter les escaliers cet enfant. Putain, comment tu as fait pour le faire tomber? Tu es un diable, tu es un monstre, bien joué. On peut pas faire ça pour les prochains. Attends, descends. Ouais, pas tout en bas, à l'étage... Voilà. Oh.
Encore. Mais encore. Encore. Avance. Là, je peux plus. Ok. Non, tu vas être cassé, tu vas être bloqué par le scrolling. Si j'avance. Déjà... Saute. Je suis coincé. Recule. Ah bah voilà. C'est toi, t'as failli être coincé par le scrolling. Je suis une voiture, je suis. Ici. J'ai joué. Je suis désolé pour ceux qui regardent, mais c'est la seule technique qu'on a pour gruger un peu le jeu. L'intérêt c'est de montrer la totalité du jeu. De toute façon, ces techniques là ont été faites aussi déjà sur arcade, je suis sûr et certain. Oh non, mais. Oh oh. Golden Axe, tout le monde sait qu'il faut jouer avec les décors. Hein. Oh merde. Bien joué. Oh, c'est ça, je suis là. Ouh, je l'ai ici, toi. Ah, ici, il y a les ombres. Vas-y, active-en une. Viens ici, viens ici, viens ici, vite, vite, vite. Tu connais bien le jeu. Ah, mais je te dis, je l'ai fait pendant des années. Je vais pas dire que j'avais que ce jeu-là, mais... Bien joué. Oh, oh. Vas-y, je m'occupe de lui. Ouais. Ah. Ah, c'était pas le boss? Non. Putain, il m'a défoncé le squelette. Bon, après, et on est quand même, on est au stage 4, on n'a pas encore grid continu. Attends, c'est la partie longue encore. Hein. Tu te prends un putain de squelette et tout ce qui nous enlève. Je sais même plus c'est quoi le boss. C'est toujours pas le boss, ça. Non, je sais plus c'est quoi le boss. Ça se trouve, on est en train de le faire et on le voit pas, mais... Je suis plus du boss. Qui l'enlève. Putain, il m'a tué. Je meurs. Ah, bien vu. Connard de mine de merde. Oh, le soin. Prends la vie. Ouais, j'ai fait exprès de pas le prendre. Bon. Les démons. Les démons passent. Qu'est-ce que c'est? Ce find pass. Paf, je pense que c'est le... Le pacte? Non, je dirais le... Attends, c'est quoi encore la technique? Ah! Oh non, putain, tu prends un coup, là. Bon, allez, on se reconcentre. Je pense que c'est le... Pas le... Entre deux montagnes, là. Pas le canyon, là. Le canyon. Je crois qu'ici, le boss il est rapide ici. Je crois qu'on va les avoir vite. Je crois. Hein. Je suis pas sûr. Chacun, 0 continu, 5e niveau. 0 continu. Ah, 0 continu utilisé, tu veux dire? Ouais. Il y a peut-être quelque chose à faire. Culé. Matraque B, matraque B. Enfin, B, X, pardon. Putain. Tu sais pas les maîtriser, toi, les bestioles. Il faudrait que tu t'entraînes. Je les ai jamais. Ou bien joué. T'as failli me cramer, mais bien joué. Je reste esprit sur la même ligne pour pas te toucher. Ok. Attends, je réfléchis. Normalement, on va avoir une deuxième équipe avec... Ah ben voilà, c'est eux.
Mais je pense pas que ce soit le boss, hein. Putain, il passe littéralement ta défense. Enfin, je m'occupe de derrière. On l'a plus. Matraque-le, matraque-le. Ah, c'est bien, le coup de pogo. Oh, attends, je te laisse respirer. Ok. C'est passé quoi? Vous ressemblez tous. Non. Ah non, il m'a... En mode taureau... Ah merde. Oh putain, mais moi ça marche pas aussi bien que toi. Attends. Vas-y, 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 vas-y. Au pire, tu me le laisses, hein. C'était le boss? Bah ouais. Ah mais non, mais oui, c'est la face en... Bah, là, il y a l'avant-dernier boss. Non! Ok, tu voulais être sûr d'aller toucher, putain. Putain, ouais. Bon, ah, il y en avait un derrière. Tu as la même mieux caché. T'es full, toi? Presque. Ah, moi, je suis full. Attends. Ici, c'est che... Non, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le boss ici. Bah c'est ça, après il y a un chevalier, non? Ouais, c'est ça. Je t'encornais, toi. Eh, tu joues bien, hein, je te regarde d'un œil, mais tu joues bien, hein. Bon, là, évidemment, quand je te fais un compliment, tu joues moins bien, mais... Bah, il me fera deux. Bon, bah, on essaye, hein. On essaye de se mettre au niveau. Oh, oh. Ouais, tout à l'heure, tu as bien joué. Tu tombais dans le trou de merde. Ouais, là, franchement, c'était... Pas de chance. Attention, hein. Reste pas sur la même ligne que là, moi, mais... De sortir. Attention, quand tu joues avec le scrolling, tu me fais monter avec, tu me décales de tout. Ah merde, oula, qu'est-ce que c'est tout ça? Ouais, bien vu, j'allais faire. T'as vu le boss de fer? Je crois. Il y a un autre niveau après. Ouais, mais là c'est le boss. De toute façon, il a un autre sprite que les autres, donc j'allais ça boss. Désolé, je t'ai donné un coup. Ah, mais c'est pas grave, c'est lui après. Oh putain! Le boss à l'esquelette, on s'en fout. Ah bah ouais, remarque, c'est le faux boss. Je suis en train de l'humilier. Continue, continue. Ouais, parce que sinon, il va nous matraquer là. Il me fait penser un peu à Yann Mato dans Street of Rage 3. Ah. Tu vois qui je veux dire? Ouais, ouais, les trois ninjas. Bah, le ninja qui se dédouble en 3. Là, j'ai grid. Yes! Bien joué! Ah, il va voir le roi et la reine, non? Qui sont pendus? Enfin, pendus. Dans le 2, ça. Ah non, ouais, voilà. Ouais, pendus. Ouais, je me rappelle, ça. Oui, oui, mais c'est pas vraiment. Ils sont enchaînés, quoi, pas pendus. Ouais, bon. Ça aurait été un peu gore, pendu. Accepter toute ma gratitude, c'est ça? Pour notre. Ouais. Pour nous avoir secouru. Pour votre courage. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à la porte. On va pas y aller, nous. Non, on a battu le faux méchant. Allez, enfin, on a techniquement, si c'est Death Adder, on a tous les, enfin, tous les deux accompli notre... notre... ce qui nous a réunis, en fait, au final. Donc, théoriquement, les aventuriers peuvent se séparer. Théoriquement, je parle. Ah. Putain, j'ai... Ouf, tu as sauté, tu étais dans le vide. Oui, j'ai vu. T'as compris ce que je voulais faire? Ouais. Viens vite, viens vite. Non, reste pas sur moi, reste pas sur moi. Non, mais t'inquiète. Voilà. Ouh, alors là, deux squelettes. Ouh, putain, tout ce qui est tombé en bas. Ouf. Super. Oh, ce coup. Attends, je reste là. Ah ouais, 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 mais faut rester. Attends, j'ai ça tire. Ouais, mais non, j'ai ça. Oh, sur ma mignonne.
Non, 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 non. Putain, une vie perdue pour rien. Attends, c'est Start ou... Start, ouais. Yes. Ah ouais, on avait plus de magie. Marco Mao, tant pis. Attends, attends. Il y a encore un bord ici. Bon, je trace. Vas-y, vas-y. Trace. Stop. Je bouge. Eh non, pas dans ce sens-là. Bah, hey, il m'a donné un coup. Enfin, pas toi, lui. J'étais dans le bon sens, mais il est pas parti dans le bon sens. Mais tu vas mourir, ouais. Bon, tu restes ? Ouais. Plus près, plus près. Voilà. Putain, t'as même pied la chaussure dans le vide. Ça va, t'as un pixel du vide. Mais il n'y a pas des ennemis verts au moment ? Tu l'as tué ? Viens ici, viens ici. Je le laisse. Merci, c'est gentil, je suis full maintenant. Ah, et toi, il revient. Ah, il te nargue, là. Le troll. Ouh. Non, 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 non. Laisse-moi le vide. Oh putain, il est passé cet enfoiré. Putain. Non ! Je te dis là, j'étais sûr de ne pas mourir. Putain, il a survécu. Recule, recule. Mais non ! Ah putain. On le tente ? Moi je le mets là-haut. Bon, je pourrais pas rester là-haut. Ouais. Attends. Je peux l'avoir. Ne fais pas bouger. Je serre les fesses. Allez. Je te promets, je serre les fesses. Serre tout ce que tu veux, mais défonce le boss. C'est le même que... Ah non, c'est lui des sadeurs. Ah ouais, c'est ta fadeur. Ah, je pense qu'il me manque un squelette. Laisse-le-moi. Vas-y, je vais essayer de gérer les squelettes, mais... Ouais, essaye. Ouais, je tente ma technique. Ah, je peux pas. De la marouflade. Il s'attaque à ceux qui s'attaquent au boss, en fait. Non ! Ça, il va nous enchaîner. C'est bon. S'il te plaît, je t'en prie, gère les squelettes. Là, tu vas mourir. Faut que tu le lâches, le boss. Dès que tu vas le lâcher, il va faire le... S'il te plaît, aide-moi. Parce que là, je suis dans le mood où... si je crève, là, c'est... Si je m'arrête, c'est foutu pour nous. Hein. Putain, enchaîné comme une pute. Bah, de toute façon... Non mais il y a moyen, mais il faut que les squelettes ils meurent. J'ai pas réussi à le... S'il te plaît, gère les squelettes, je vais gérer le boss. J'essaye, mais... Ouais mais regarde, il m'enchaîne. Je peux pas crever ces putains de squelettes. Moi techniquement je suis en séance de... Ah mais non, je suis touché même à terre. Je frappe le boss. Tu veux que je frappe comme mais je peux, fais comment comme mais... Bah ouais, je vais essayer mais... Ok. Non, il a pris le coup pour lui. Ils sont incroyables. Ça fait 2 heures que je les frappe. Désolé. Allez, défonce le boss par là. Mais oui, mais. On y est presque, putain. Comment tu peux savoir qu'on y est presque? Parce que
peu et tous les coups qu'on lui a mis. Oh non. Si. Non. Si. Oh putain, on a fini Golden Axe. Yes. Première fois de toute ma vie que je finis Golden Axe. Première fois de ma vie aussi. Franchement, c'est mérité. Hein. Ah. Et on l'a fait en mode... En mode... Bah les couilles. Ouais. Ah non, c'est pas fini. Ah si. Si, 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 si. C'est bon, les gars, à un moment donné... Bon, finalement, vous avez battu tout le clan des démons. Et on s'en bat les couilles. Ok. Ah ouais, ouais. Cast Shadow 2009 dans le rôle du Neng. Et Brandon 13 dans le rôle de Axe, le barbare. Voilà. Ah attends, c'est quoi ça? Oh putain, ils avaient une les attaque D. Ils se sont amusés. Lui c'était un C. Et lui c'est un... Ouais, ça on s'en fout, moi c'est l'attaque que je veux voir. Attends, ils avaient une attaque de CE. Eux c'était B. Et eux c'était B. Non, moi je veux voir les squelettes. Ils doivent avoir attaque S de Shadow. Tu vas voir. Tu vas voir. Eux c'est D, c'est A. C'était A. Ouais, il frappait si fort que ça. Hein. Ah ouais, ouais, je pensais que les moves ils frappaient fort moi en fait, mais pas du tout. Alors les Golden c'était en C, B, B. En fait lui c'était le plus dangereux. Je pensais que c'était l'autre. Ouais, bah en vert je me doutais que c'était dangereux. Bah non, c'est le noir, tu as raison. Alors les filles, B, B. Ouais, elle frappait fort ces connards. Hein. Ouais. B quand même. Hein. Bah c'est pas si fort que ça, ça c'est le même que le et que le mec. B, les autres ils frappent. Ah voilà, double A et double ah, non, et c'est A. C'est cela, je comprends avec toi. Ah les roses elles faisaient mal. Ouf, ah ouais. On les a vus en noir. Pardon, non, non. BB. Nah, le B de Panadon. Non nah, mais c'est des BE. C'est des SSS. C'est ceux qui ont pu s'enlever de vie. Et les gros? Ah voilà, eux c'était C. Lui il était A, oui, à lui A, ouais je suis d'accord. Ouais mais c'est un boss. Ah mais c'est les boss ça. Non. Mais double C frère. B, C, B. A, double A, ouais, ça m'étonne Oula. Pas. C'est violent celui-là. Sergent Malte et Nop, et hop. Alors ça veut dire que le chevalier rouge, pour l'instant, c'est l'ennemi le plus fort du jeu. A, C, lui double A. En fait ceux-là, c'est. Ils sont coriaces, hein. Les Golden et les Silver. Je pensais pas. C'est les plus lourd. Ah non, c'est les moins lourds. Alors lui. Ah lui, c'est son attaque spéciale, c'est la queue. Ok. A chicken leg. Ça s'appelait comme ça. Ouais, les jambes de poulet. Attends, leg, c'est pas le. C'est jambes. Ouais. Lui, c'est flamme. Lui, jambes. C'est fireball. Okay. Blue dragon et red dragon. Ouais. J'aurais pu trouver facilement. Alors, ah ouais, donc voleur bleu et voleur vert. Ils ont même pas la même taille. J'ai toujours pensé que c'était des écureuils, moi. Oh, ils ont même fait penser aux villageois. Les mecs, ils s'étaient énervés, hein, ils ont fait n'importe quoi. C'est même les villageois. Ouais, mais c'est le cast, hein. 67 kilos. Death Adder Junior. Adder. Ah, c'est Junior. Non, AB. C'est le faux, celui-là. Non mais c'est, non c'est l'enfant ça, c'est le bébé. Ouais, ouais. Et Death Adder alors? Voilà. Seulement B en move. Ah, c'est pas possible. Non, ils auraient dû mettre A plus au moins. Parce qu'il fait. Mais il a eu des grosses attaques magiques aussi. Ah, ah voilà. Double A, mais même. Deathwinger. Ouais, il fallait mettre A plus. De fait, il est moins fort que les mobs, je comprends plus rien. Mais il est aussi fort que Silver. Le Silver. Alors Longsword, elle sa spécialité c'est la magie. On sait pas son poids elle. Oh, c'est le bro de jouer avec. Je sais pas. Ou alors on dit pas celui des femmes. Roi et reine, enfin roi et princesse plutôt. Attends, roi et princesse. Donc c'est sa fille. Ouais, j'apprends des trucs frère, je suis choqué. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Putain, je suis mort. Incroyable.
Et ils se sont amusés. Waka. Ouais, en plus, ils mettent des noms et ils marquent n'importe quoi depuis tout à l'heure. Hein. Ah. Kyonsi, Kyonsi. C'est même pas un nom, ça. Bah, si. Kan. Et Kan. Si, ils marquent n'importe quoi. Non, je suis sûr qu'il y a quand même, il y a quand même des mecs derrière. Shisuke, on dirait qu'ils ont pris tous les employés et ils leur ont donné un pseudo. Bah, peut-être, hein. Roko. Roko. Ah, ne me dis pas qu'il y a un mec qui s'appelle Roko. Roko Siffredi, si, ça existe. Non, mais bon. Nankyoku. Il a pas de prénom, le mec. Il s'appelle Nankyoku. Deki. Le son, c'est Deki. Bah. Imoki. Non, mais c'est n'importe quoi. Les gens, ils ont pas de prise. Ah ouais, et alors là, c'est quoi ça? C'est le robot S2? Ah, voilà. Young What? Non, c'est un programmeur Bini Boy. Non, mais il dit, il marque n'importe quoi. C'est pas possible qu'il y ait un mec qui s'appelle comme ça. Quand? À quand? Brosse 400, non mais je t'ai dit, il marque n'importe quoi là. Là c'était le directeur s'il s'appelle comme ça. Opa Opa. De toute façon, il s'en foutait de toute façon parce que personne n'allait le finir le jeu. Ah bah ouais, putain, c'est la difficulté. Team Shinobi, ça je suis d'accord. Ouais. Ouais, ça aussi, je suis d'accord. En tout cas, il... Bien joué. Bien joué pour Raphaël. Ouais. Fin du jeu. Je suis à 150, t'as 129. Je suis A. Ah, moi, je suis C, c'est des enfoirés. Ah, mais à force, je suis à 51,4. En fait, je suis avantagé par rapport à toi. Ah ouais, t'as plus de force. Non, je sais pas, peu importe. Bon, ben voilà, les amis, vous avez vu l'intégralité de... Ben ouais. Du premier Golden Axe. Franchement, j'ai fait une très bonne partie. Mais toi aussi, t'as fait une très bonne partie. Il aura fallu attendre je sais pas combien d'années pour que je puisse voir la fin très surprenante de ce jeu. Et franchement, je suis content. Je suis content parce que le jeu, il me paraissait tellement mature que je pensais pas un jour voir la fin. Bah, on regarde comment le jeu, lui, enfin comment la démo, eux, lui, gère le... Ah, je prends quand même des coups, la démo. Hein. Bah, pour te dire que même si tu prends des coups, hein, ça arrive à tout le monde. De toute façon, dans ce jeu, tu ne peux pas ne pas te prendre de coups. Ah ben, c'est clair. Ou alors faut vraiment être très très fort. Et encore. Voilà, ben... Merci Shadow de ton invitation. Ouais, merci à toi d'être venu. Ouais, ben j'ai hâte de te voir réitérer cet exploit sur le 2. Et le 3. Et le 3. Ben le 3 par contre, lui alors, je crois que j'ai joué une fois juste pour voir à quoi il ressemblait quoi. Ben on l'avait testé aussi vite fait hein, le 3. Ouais, mais il y a plus de persos dans le 3. Donc il va falloir que je trouve mon. Ben mon Gildius. Mais non, justement, Gildius, lui, c'est sage. Enfin, il est devenu sage et voilà. Ah bon. Donc, voilà. Tu trouves quelqu'un qui te corresponde. Ben il y avait la panthère qui avait l'air pas mal, mais j'étais pas fan. Puis il y a le titan aussi. J'étais la panthère, je m'en rappelle. Ah ouais. Mais ça, cette roulette, je sais pas la faire. Non mais ça, je l'ai jamais... Il esquive et il fait une contre-attaque. Non mais attends. Ah oui, c'était son frère qui est mort. J'ai pas vu. Il a tué des mecs, l'autre, hein. Bah, ouais. Enfin, bref. Des mères, des frères, des sœurs, t'es ? Du coup, je disais quoi ? Bah oui, on a fini Golden Axe, il faudra qu'on refasse cet exploit dans le 2 et dans le 3. Il faudra que je trouve un perso de cœur dans le 3 parce que le Gildius on ne sait plus utiliser. Et on verra. On verra. Ce sera surtout mon attachement par rapport à la magie et au skin du personnage.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À suivre, à suivre. Tout à fait. Eh ben, on vous laisse là-dessus. Je sais pas si tu as un petit mot de fin à dire. Non, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Pensez à, si jamais ce n'est pas le cas, à visionner les Let's Play de Shadow 2009 ou les miens, hein, pour voir un petit peu des vidéos sympas selon moi. Et puis, sachez que bientôt, Shadow 2009 fera son retour, que ce soit sur sa chaîne ou sur la mienne. Donc, surtout sur la tienne. Restez à l'écoute et abonnez-vous. Surtout sur la tienne. Ça sent le tease, ça. Ouais, ouais, ouais. Ben, cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais sachez que. Ben, elle sortira quand le 2. Shadow 2009 a déjà prévu son coup. Il reste les derniers détails et surtout une grosse motivation qui m'attend pour faire le prochain jeu. Jeu qui est très bon, mais évidemment, il m'a mis au défi de. Un gros défi. De réaliser quelque chose dessus, je vous en dis pas plus, vous verrez quand le jeu sera lancé. Voilà, voilà. Merci à tous et à la prochaine. À la prochaine.